Mon roi, nous sommes prêts à nous défendre contre le banane. D'accord, mais ils sont combien là? Il y a deux fois plus de bananes que nous. Mais c'est normal car nous on a fait beaucoup de guerres. Alors qu'eux non. Et oublie pas que le roi banane, il a toujours ses pouvoirs magiques. Alors que moi, c'est le poussin qui m'a volé mes pouvoirs. J'étais tellement fort avec ma dernière transformation. Pleure pas mon roi. Il semblerait que le poussin ait volé les pouvoirs magiques du roi banane aussi. Mais qu'il est bête ce roi banane. Mais du coup, ça veut dire qu'on a une chance de gagner la guerre. Je ne sais pas si on tiendra le coup. Notre armée est fatiguée avec toutes les batailles que nous avons fait récemment. Je comprends, commandant, mais les bananes nous attaquent, on n'a pas vraiment le choix. J'en ai marre, je vais craquer. Rends tout de suite les pouvoirs magiques du roi banane. Non, tu n'auras pas les pouvoirs magiques. Tiens, je t'aime pas, pété moche. Patrice, vous et banane, vous êtes bien qu'être dans les champs. Ouais, et alors quoi? Quelle sale banane. Tu te moques de moi en plus. C'est la goutte de trop. Je vais te tuer maintenant. Arrête sa banane. Si tu le tues, mes pouvoirs magiques disparaîtront. Ça t'arrive de réfléchir ou pas? Pardon mon roi. Je me suis emporté. Ça n'arrivera plus. C'est bien petit toutou. Ouf. Écoute la banane. Et alors, c'est lui qui fait pitié. Quand tout ça sera fini, je te mangerai. Allez, arrête, ne l'écoute pas. Maintenant, on passe à l'attaque. Je veux que tu actives le portail pour que les géants écrasent les cactus. Ça va être trop drôle de regarder ça. Pas de problème, mon roi. J'active le portail immédiatement. Alors, Jasper, t'arrives à l'avoir, le roi banane? Oui, mais il y a un gros problème. Il y a un risque que je touche le poussin. Le roi banane fait exprès de le tenir dans ses mains. Pour pas qu'on lui tire dessus. Il est malin parce que notre armée ne peut pas attaquer à cause de ça. C'est trop risqué pour le poussin. C'est de la triche ce qu'ils font, sérieux. Attention, attention, une banane géante arrive. Quoi? Ok, on n'a pas le choix, là, tirez tous sur la banane! Et visez bien pour pas toucher le poussin, wesh! Il a failli me toucher, ce nul. Prends ça, toi. Truc de fou, à 2 mètres près, on finit en purée de cactus, wesh. Ouais, heureusement qu'elles sont débiles, ces bananes. Toujours dans l'agressivité, toi. Non, c'est pas fini, attention, tout le monde! Ils vont se faire écrabouiller. Faites attention, la team, c'est pas un exercice. Retournez-vous et tirez tous! On a un gros problème. Ces bananes nous écrasent comme de vulgaires fourmis. Ça commence à devenir difficile ici. Elles sont trop résistantes. Je te l'avais dit, petit poussin. Même sans pouvoir magique, je vais les éclater. C'est trop un jeu d'enfant, moi. Il faut que je trouve une solution pour sortir de cette cage des ordres de devoir et de cactus. Ils sont en train de tous nous écraser! Mon roi, je pense qu'il est temps d'activer le plan de Jason et Olalala. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, Brandon. On n'a pas le choix d'utiliser le plan Jason Olalala. Un quoi? Pourquoi vous avez dit Jason Olalala? Olalala, Olalala, au secours, au secours, au secours. Ils m'ont collé un explosif sur le dos. Ils veulent m'utiliser comme bombe vivante sur les bananes. Je veux pas mourir, je suis trop jeune. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pas mourir, t'es immortel, t'as oublié ou quoi? Ah ouais, juste. Ok, je suis prêt alors. Il faut qu'on leur tire dessus. C'est le moment de mettre le coup de grâce, roi banane. Non, je veux pas que ça se termine rapidement. J'aime les voir souffrir. Ah, ah, mes fesses me brûlent, wesh. Ah, 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 ah. Urg. Nous vaincrons, vive la team!
Urg. Alors mon roi, le tir a été efficace ou pas? Alpha à bravo. Mon roi, Alpha à bravo. Les bombes ont bien explosé en hauteur et on les a détruits. Mais elles ont réussi à faire un vrai massacre. Ils ont écrasé mes cactus. C'était des abonnés fidèles à moi qui voulaient juste défendre leur team. Je vais vous venger, ne vous en faites pas. Parce que là, faut pas déconner. Ils ont détruit au moins toute une moitié de mon armée. Heureusement, Jason a pu exploser dans les airs et pas toucher tout le monde. Brandon, active le plan secret maintenant, s'ils sont prêts. Oui, mon roi. Ils viennent d'arriver. Ils sont prêts. D'accord, je veux qu'ils tirent à volonté maintenant. Nous devons percer toute l'arrière de leurs armées. De tous mourir. Ils nous ont piégés avec des tanks. Espèce de banane, je t'avais dit de surveiller nos arrières. De votre faute, on va perdre les débiles. Notre attaque par surprise est un succès pour le moment, mon roi. Je suis fier de vous. Je crois bien qu'on va enfin gagner cette guerre. Allez, on continue. Tirez. Tirez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il y a eu plusieurs grosses explosions, mon roi. Malheureusement, vous avez raison. Toute notre armée de tanks vient d'exploser. Ça a été très brutal, les pauvres. Mais ils ont réussi à faire un véritable massacre. Mais ils sont encore hyper nombreux, et supérieurs en nombre. Les pauvres, ils avaient une famille. Qui c'est qui a fait ça, wesh? Je ne sais pas, mon roi, je ne comprends pas. Les bananes n'avaient pas d'explosifs sur eux. C'est hyper étrange. Il y a tous les tanks qui ont explosé alors qu'on n'a rien fait. C'est trop bizarre, wesh. Bravo, commandant, cette attaque est parfaite. Avec moi comme commandant d'armée, vous n'avez rien à craindre. Quelle bonne idée de prendre notre vengeance en aide dans les bananes. Nous sommes certains de gagner. Merci, mais moi je n'ai pas fait grand-chose. Tous les jardiniers qui ont survécu veulent se venger contre les cactus. En même temps, c'est normal. Après notre dernière défaite, ça a été très dramatique pour nous tous. Bref, c'est du passé maintenant. Feu à volonté sur les cactus! C'est bien. Mais c'est qui ces gens? Pourquoi ils nous aident? Ce sont des jardiniers m'envoient. Ils sont ennemis de la Team Cactus. Ils ont perdu une guerre contre eux et là ils vont nous aider pour prendre leur revanche. Bonne nouvelle ça. Allez, on attaque aussi alors. C'est le bon moment. Feu mes bananes. Les jardiniers ont fait une alliance avec les bananes mon roi. Ils sont de retour, les lâches. Obligés de se mettre à plusieurs sur nous pour nous battre. On doit se défendre, tirez! On ne lâche rien, tirez! Bon alors, où est ce poussin? J'avais oublié que j'étais immortel. Mais c'est impossible. Aucune balle ne lui fait mal. C'est techniquement impossible. Eh ben si, banane. Prends ça. T'es vraiment pas musclé par contre. Tu fais pitié. T'as peut-être raison, mais moi je pue pas de la gueule. Arrête, c'est pas vrai. Si. Burk. Mais t'es un gamin en fait. C'est celui qui dit qu'il est. Arrête de te disputer et libère-moi. Voilà, c'est ouvert. Envole-toi le poussin. Et tout ça, ça ne vole pas, espèce de débile.
Mais partir, je peux rendre les pouvoirs magiques à distance. Alors, prends ce qui est à toi, la cartouche. Voilà, c'est bon. T'es bête ou quoi? Pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? Parce que cette touche, c'est un abri anti-distance, je ne devais rien faire. Mais de toute manière, c'est bon, maintenant on a gagné. Le roi Cactus a récupéré ses pouvoirs. Je pense pas non. Regarde qui on a trouvé. Maman? Ouais, c'est ta daronne. Je compte jusque 3. Si t'as pas rendu les pouvoirs magiques au roi Banane, je flingue ta mère et elle finit en nuggets dans cette friteuse. On est débordé de partout, Brandon. Qu'est-ce qu'on... Hein? J'en reviens pas. Brandon, je crois qu'on a gagné la guerre. Tout va être réglé. Alors... Arrêtez, vous me faites des guillis, là. Vous avez de la chance que vous êtes dans ma ville, sinon j'aurais lancé une énorme boule. Mais ça, ça va suffire. On aura plein de bananes déjà découpées pour manger. Prenez ça! Mouah! Hey, coucou, Cactus, comment ça va? Mouah! Mouah! Ah, il a récupéré ses pouvoirs magiques, lui aussi? De toute manière, c'est impossible qu'il égale ma puissance. C'est un jeu d'enfant, Mouah! Tu me sous-estimes trop, Cactus. C'est pas une banane qui va me faire peur. Viens te battre, tu vas voir que tu vas perdre. D'accord, d'accord. C'est ce qu'on va voir, Cactus. Waouh, c'est impressionnant. Je n'arrive pas à voir qui domine qui tellement qu'à va vite. Je les enchaîne avec mon sniper, moi. J'ai trouvé un truc encore mieux que Facebook. Commandant, ça ne va pas. On est deux teams sur eux et ils arrivent à nous dominer. Tu es déjà au maximum de ta puissance, car c'est très faible. Banane, pas du tout. Je pense que tu mens là. Ne traite pas de menteur. Tu commences à comprendre maintenant. Ça, c'est pour mes devoirs. T'es trop faible. Ça, c'est pour le pognon que tu m'as volé. Stop, c'est bon, j'abandonne. Arrête, s'il te plaît. Oh non, et ça, c'est pour les cactus que t'as tués. La banane commence à être pourrie, on dirait. Pourquoi c'est devenu rouge d'un coup? D'accord. Tu m'obliges à mettre ma transformation maximum. Je vais te massacrer, Cactus. Excusez-moi, j'aimerais savoir quelque chose. Pourquoi est-ce que vous vous faites la guerre? Il m'a volé mes devoirs, moi. Et lui, il me respecte pas comme je le voudrais. Vous êtes sérieux? Une guerre juste pour ça? Ben ouais, tu voulais que je fasse quoi? Qu'on me vole mes devoirs tous les jours? Ça... Oh non, c'est fini. Et nous a défendu du mieux qu'il pouvait. Adieu mon roi Cactus. Je vais éradiquer tous les cactus maintenant. Ainsi que tous ses amis et ses connaissances. Je te laisserai pas faire. Mais. J'ai jamais vu une telle chose dans ma vie de banane. Il maîtrise à 100% sa dernière forme.
Voilà ma dernière forme maîtrisée à 100%. Maintenant, c'est la dernière fois que je le dis. C'est fini pour toi, la banane. Tu te demandes sans doute ce qui s'est passé ensuite ? Le coup que j'ai mis au roi banane l'a complètement assommé, mais il est toujours vivant. Maintenant, il est enfermé dans un hôpital psychiatrique pour bananes. Peut-être qu'un jour, il sera gentil. En ce qui concerne notre armée, elle a réussi à battre à elle seule les jardiniers et la team des bananes. Mais nos pertes ont été très nombreuses. Et ils se sont bien battus. Mettez-leur des cœurs et des likes sous la vidéo pour leur rendre hommage. Merci. Sans vous, rien aurait été possible. Les bananes et les jardiniers qui ont survécu sont en prison pendant 10 ans pour crime. Le chef des jardiniers est en prison et pense devenir plombier quand il sortira. La maman du poussin va très bien et ils n'ont pas fini en nuggets. Je compte sur vous pour faire exploser la barre de likes, les amis. À 10 000 likes, il y a une nouvelle aventure incroyable qui va arriver. Moi, je vous dis à bientôt. Oublie pas de t'abonner avec la cloche si t'as aimé. Et comme ça, tu rates aucune dinguerie. Au revoir et à bientôt!